Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحده. لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc nous sommes page 26 et le titre c'est quelques invocations. Et comme vous le savez, il est très important d'invoquer Allah et de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Et l'enfant doit grandir sur le fait de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur le fait de prononcer les quatre paroles les plus aimées auprès d'Allah. Qui connaît les quatre paroles les plus aimées auprès d'Allah? Oui, Hamza. Alors, trois bonnes et une, elle est très importante, mais ne fait pas partie des quatre, oui. C'est Allah Akbar la mauvaise. Non, oui. Ya Subhanallah. Oui. Allah Akbar. Oui. La ilaha illallah. Oui. Et... Shadu la ilaha. Oui. Non. Non. Oui, exactement, mashallah. Donc retenez ces quatre paroles. Ces quatre paroles, tous les jours, il faut les répéter. Dès que tu as un temps libre, tu répètes ces quatre paroles. Tu dis Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. À chaque fois que tu remplis, à chaque fois que tu dis ces paroles, tu remplis ta balance de hasanat. C'est-à-dire que tu remplis ton compteur de hasanat. À chaque fois que tu dis une de ces paroles, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tu, Allah Azza wa Jal, il te donne un arbre, un palmier dans le paradis. Donc si tu répètes souvent ces paroles, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tu vas avoir un jardin, un parc d'attractions dans le paradis. Tu auras une forêt entière. Tu auras ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux dans ton parc. Donc, et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va répéter le plus, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et La ilaha illallah. Et la parole la plus importante, c'est laquelle? C'est La ilaha illallah. Au jour de la résurrection, il y a un homme qui va se présenter devant Allah et il a fait plein de bêtises, plein de péchés. Et Allah, il va lui sortir 99 registres où il s'est noté toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Parce qu'on a deux anges qui inscrivent tout ce qu'on fait. Et à la fin, Allah Azza wa Jal, il va lui dire, est-ce que tu reconnais cela? Il va lui dire, oui, je reconnais cela. L'homme, il va penser qu'il va être jeté en enfer. Mais Allah, il lui a dit, attends, tu vois une hasanat. Et il va lui sortir une petite carte. Et sur cette carte, il est marqué la parole, La ilaha illallah. C'est-à-dire que cette personne, elle a cru en La ilaha illallah. Elle a dit La ilaha illallah. Elle a compris La ilaha illallah. Il va peser La ilaha illallah et tous les péchés qu'il a fait, La ilaha illallah sera plus lourd dans la balance. Donc ici, cette parole, qui est la parole, c'est le message de tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont appelé leur peuple à dire La ilaha illallah. La parole La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle Allah il a créé les cieux. Allah il a créé la terre. Allah il a créé les musulmans, les mécréants. Allah il a créé le paradis, l'enfer. Pour que l'on dise La ilaha illallah.
Répétez la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Celui qui accepte et qui comprend et qui prononce la ilaha illallah, il pourra aller au paradis. Parce qu'il a rendu Allah unique. Il a fait ce que l'on appelle le tawhid. Il a rendu Allah tabaraka wa ta'ala unique. Et le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est la chose la plus importante de notre vie. Même le prophète Ibrahim, alayhi salam, il disait « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ». Il disait, Ibrahim, alayhi salam, « Et préserve-moi ainsi que mes enfants contre l'adoration des idoles, l'adoration des statues. » Parce que ceux qu'ils adorent les statues, est-ce qu'ils disent la ilaha illallah? Et même s'ils disent la ilaha illallah, est-ce que c'est en accord? Est-ce que le fait d'adorer des statues, c'est le sens de la ilaha illallah? Non, la ilaha illallah, c'est-à-dire que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Et sache qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné de connaître cette parole et de connaître ce que cela veut dire. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, « Shahid Allah, annahu la ilaha illahu, wal malaika wa ulul ilm, قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل dit, Allah témoigne qu'il n'y a la ilaha illallah, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah. Même les anges y témoignent et même les savants ils témoignent qu'Allah عز وجل mérite d'être adoré seulement. Et ça, c'est le plus grand témoignage. Allah témoigne lui-même qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré en vérité en dehors de lui. Vous avez compris l'importance de cette parole qui est la ilaha illallah. Et également cette parole, donc regardez ma tête. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit la ilaha? On dit non. Et quand on dit illallah, on dit... Pourquoi? Parce que la ilaha illallah se coupe en deux. La ilaha, on dit non, c'est-à-dire on dit non, je n'adore personne. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. Je n'adore rien, je dis non. Est-ce que ça suffit de dire ça? Non. J'ai besoin de dire illallah, je dis oui, c'est-à-dire que seul Allah mérite d'être adoré. Sauf Allah. Donc elle se coupe en combien de parties la ilaha illallah? En deux. Une négation où on dit non, et une affirmation où on dit oui. D'accord les enfants? Donc vous avez vu la première parole qui est marquée, c'est la ilaha illallah. Et ici, qui peut me traduire ce qui est marqué en français? Oui, Mohamed. En dessous, la ilaha illallah. Oui, je t'écoute. Et ça, c'est faux. Donc, vous allez barrer. Vous allez barrer. D'accord? Voilà, ben, même eux, ils se sont trompés parce que c'est pas la bonne traduction. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est pas ça que ça veut dire, la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est-à-dire, parmi toutes ces divinités, parmi tous les dieux, le seul qui mérite d'être adoré en vérité, c'est Allah. Parce qu'un dieu, c'est quelque chose qui est adoré. Tandis que, la terre entière, elle adore que Allah? Non. Tandis qu'ils adorent des statues, c'est leur dieu. Tandis qu'ils adorent le soleil, les animaux, c'est leur dieu, mais c'est des faux dieux. Le vrai dieu, c'est qui? Allah. Le vrai dieu, c'est qui? Allah. Le vrai dieu, c'est qui? Allah. Allah tabaraka
wa ta'ala. Parce que certains ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a de créateur que Allah, ou il n'y a de Dieu que Allah, et cela est une mauvaise interprétation. Donc vous marquez en dessous. Oui, le seul Dieu qui mérite d'être adoré en vérité, c'est Allah. Donc on va la noter au tableau. Zahra va la noter au tableau. C'est pas grave, tu le noteras. Tu regarderas sur ta sœur et tu le noteras. Tu le noteras à la maison. D'accord ? Donc le seul Dieu ou la seule divinité qui mérite. Seul, ça s'écrit pas avec un E à la fin. Non. D'être adoré en vérité, c'est Allah. D'accord, les enfants ? Et on termine sur cette parole pour dire que tous les prophètes, ils ont appelé leur peuple à la ilaha illallah. Le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam, le prophète Hud, le prophète Salih alayhi salam, tous les prophètes, ils ont appelé leur peuple à dire la ilaha illallah.